Coucou à tous, beaucoup d'entre vous me demandent où ils peuvent s'installer pour apprendre à jongler. La belle saison d'été est terminée, les beaux jours du printemps sont déjà passés depuis longtemps, et effectivement, beaucoup d'entre vous me demandent où ils peuvent jongler, car il fait pas toujours beau de nos jours. Eh bien, je vais vous montrer deux trois endroits, et puis après, on passe au tuto suivant. Tu peux jongler dans ta chambre. L'avantage est que si tes balles tombent, eh bien, elles tombent sur ton lit. Et tu n'as plus qu'à les ramasser, tu ne dois pas te baisser complètement pour les récupérer. Tu peux jongler dans le dressing de maman. Mais il n'y a pas toujours beaucoup de place. Dans la bibliothèque, le salon, la buanderie, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, mets-toi à l'aise. Coucou Grégor, la compagnie Magic Arts, avec de nouveaux tutos de jonglerie. Alors moi, pour ma part, eh bien aujourd'hui, je vais m'installer dans la bibliothèque. On ne sait jamais que je pourrais trouver un livre sur la jonglerie, sur le thème du cirque, sur l'histoire des grands jongleurs, des grands clowns, pourquoi pas. Alors, c'est parti. On s'était arrêté à la cascade. Je ne sais pas si tu te souviens. On avait appris à lâcher le 1 et 2 et 3. Voilà. Et 1 et 2 et 3. Alors, pour améliorer la cascade, ça c'est la leçon d'aujourd'hui, eh bien, je vais te montrer un ou deux petits trucs. Tout d'abord, le décompte. Et 1 et 2 et 3. Et 1 et 2 et 3. Donc toujours avoir deux balles dans une main, une balle dans l'autre. On démarre une, deux, et puis la troisième qui part toute seule. Donc, et 1 et 2 et 3. Je refais un petit focus sur les mains. Et 1 et 2 et 3. Et 1 et 2 et 3. Deuxième petit conseil, une fois que tu as le décompte, bien ramener les mains le long des jambes, le long du corps. Comme ceci, bien ramener les mains. Je refais la démonstration. Tu vois, à chaque fois, mes mains reviennent le long du corps. Voilà. C'est une erreur que beaucoup de jongleurs font. Moi y compris, j'ai fait l'erreur. Souvent, on met les mains ici à hauteur de taille. Je vais te montrer ce que ça donne. Donc souvent, on revient avec les mains comme ceci. Voilà. Ça marche aussi, mais le problème est que on ralentit le mouvement. Et le problème, c'est qu'on risque de partir... Voilà, comme ceci, en avant, et une fois qu'on part en avant, que fait la balle? Elle part vers l'avant, hors de ton champ de vision, hors de ton champ d'atteinte. Donc, les bras le long du corps, comme ceci, et ce sont les mouvements que je t'ai montrés au début, comme ceci, avec les mains légèrement tournées, évidemment, et donc les balles vont partir toutes seules, et 1, et 2, et 3. Et 1, et 2, et 3. Donc tu recommences à chaque fois, histoire de t'habituer. Alors une fois que tu as réussi à faire le 1, et 2, et 3, donc le décompte, le et 1, et 2, et 3, et 1, et 2, et 3, et 4, on est parti là-dessus. N'oublie pas, évidemment, de redescendre toujours les mains. Et 1, et 2, et 3, et 4. Et 1, et 2, et 3, et 4. Et 1, et 2, et 3, et 4. Bon, là, voilà, là mon décompte était bon. Et 1, et 2, et 3, et 4. Et 1, et 2, et 3, et 4. D'accord? Et 1, et 2, et 3, et 4. Ok? On essaye ceci. Donc bien t'entraîner à faire ce mouvement. Ceci te permettra d'améliorer ta cascade avec un décompte. Je te montrerai lors d'un prochain tuto, une autre manière d'améliorer ta cascade, une manière de progresser qui sera aussi assez sympathique. Voilà,
Je te donne évidemment, comme tu as suivi la vidéo apparemment jusqu'au bout, hein, je vais te donner un petit bonus, comme promis, dans la petite vidéo de présentation que j'avais faite il y a quelque temps. Voilà, je te disais dans l'introduction que tu pouvais t'entraîner dans ta chambre. Pourquoi ? Bien parce que quand tu jongles, les balles peuvent tomber sur ton lit et regarde, elles vont tout simplement s'arrêter en place devant toi. C'est un bon petit tuyau au camp où tu jongles par exemple pour apprendre avec des balles de tennis afin qu'elles ne rebondissent pas, ou des balles de pétanque par exemple, les balles de pétanque en plastique. Moi je m'entraînais avec ça au début et malheureusement bien les balles de pétanque en plastique ça roule. Voilà donc ici les balles que tu veux utiliser heureusement vont rebondir directement sur le lit. Et ça a été. Voilà, c'était le petit bonus du jour, petit bonus rapide, sympa, mais qui en vaut la peine. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Et puis, bien, si elle t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube afin de découvrir d'autres tutos, de découvrir éventuellement nos spectacles également, les personnes avec qui on aime bien travailler également, à travers nos galas de magie par exemple, et puis les petites initiatives qui sont en cours pour le moment, pour les fêtes de Saint-Nicolas. Voilà, je te dis à bientôt pour un prochain tuto.